لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيخ ياسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons l'explication concernant caractéristiques insan, mais avant qu'il nous continue, un rappel concernant ce qu'il nous a expliqué la dernière fois. Je suppose concernant sa race qu'appelle insan là, comment il existe. Le patinier, Allah subhanahu wa ta'ala a fait entrer nous avec un objectif, avec un but, et ensuite, qui premier du monde qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait entrer, qui premier péché, c'est Adam alayhi salam, et ensuite depuis Adam alayhi salam, Allah a fait entrer son Adam Hawa alayhi salam, et ensuite, maintenant, c'est le risque de paradis, donc l'événement qui fait arriver, et ensuite, maintenant, c'est aussi le paradis, je fais une reste sur la terre, et à partir de ça, de là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait faire femme pour la terre, beaucoup monsieur et madame. Ça reste qu'appelle l'insan là, Allah subhanahu wa ta'ala fait honorer de plusieurs façons. Il fait plusieurs façons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait honorer l'insan. Par exemple, Allah fait créer nous la meilleure forme. Allah subhanahu wa ta'ala fait préférer nous beaucoup de ce man, les autres créatures qu'il fait créer. Et aussi, man faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait faire l'insan. Et après, nous avons concernant quelques man, qualités négatives que l'insan possédait. Et Inch'Allah, pour aujourd'hui, nous pouvons continuer avec la qualité négative de l'insan. Sixième qualité qui nous pourrait être, c'est nous, l'insan, nous avons sa qualité qui appelle l'oublier là. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître que quand le mal touche l'insan, il connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, nous déjà appris la semaine dernière. Quand le mal touche l'insan, il connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, Allah fait connaître. Quand on a de la mer, on a des difficultés, on connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Ça même un dimanche que je retourne sur la terre, je fais shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je oublie sa faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait faire aux autres là, Allah fait s'absorber depuis l'amour. Donc, l'insan, quand le mal touche les icônes Allah, après que ça le mal là fait être enlevé, pour son ingain faveur, il oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il dit un dimanche, il est pauvre. Ça dit que quand il gagne richesse, il est pauvre, il connaît le masjid, il fait la masse tous les jours. Ça même dimanche qu'il est riche, ça dit que là, il oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait créer l'insan avec sa qualité-là. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre sa qualité-là dans nous, l'insan, chaque chose qui appelle oublie-là, oublier. Afin qu'il est capable d'oublier ma souffrance, ma difficulté qui nous fait face dans la vie. Sinon, la vie est une difficile. Par exemple, un démon qui fait perdre un démon qui cherche à lui. Nous, maman, fait mort, nous, papa, fait mort. Oui, ma premier jour, ma première semaine, ma premier mois, ça démon là est affecté. Maintenant, vous trouvez qu'au fur et à mesure que ça démon là sur la vie peut continuer, peut évoluer, alors ça arrive un moment, moi, vous allez oublier son maman, son papa net. Mais arrive un moment où ça demande là, oublier sa petite chose là, et les continue sur la vie normalement. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre sa petite chose là dans nous. N'importe quelle qualité de difficulté, un demande de gagner, ça demande là après oublier sa difficulté là. Parce que sinon, la vie est plus difficile. Un demande tout long sur la vie, il reste avec sa petite chose là. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre ça dans nous, insan, qu'il a certainement quelque chose, Allah fait l'oublier avec les temps. Avec les temps, Allah subhanahu wa ta'ala avait oublié certaines manquées de choses, sinon un démon sur la vie, c'est pour une bien difficile. Et quand nous avons le premier insan qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait créer, Adam alayhi salam, tient à sa qualité là-dedans. Lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître, « وَلَقَدْ عَهِدِنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا » La surah Taha, ayat numéro 115, Allah dit, « Et certainement nous prenons un engagement à Adam avant. » Quel engagement que Allah subhanahu wa ta'ala fait prendre avec Adam alayhi salam, on nous connaît. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait créer Adam alayhi salam, après fait créer sur Adam, Allah subhanahu wa ta'ala t'y donne juste un lourd. Un lourd pour ne pas approcher avec un pied. Mange depuis n'importe quel pied qui a envie.
Mais il y a une pied spécifique que Allah subhanahu wa ta'ala fin d'un jour l'or pas approche avec sa pied là. Donc un engagement que Allah subhanahu wa ta'ala fin prend à Adam alayhi salam, alors ben là de fin dire avec Allah subhanahu wa ta'ala oui, de ne pas pouvoir approcher avec sa pied là. Mais Allah dit, enfin ainsi, il fin oublié. Adam alayhi salam, il oublié sa engagement qu'il fin prend avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas vous approche avec sa pied là. Et Allah dit à Walem, n'a dit de nous avons fait trouver des supports et une fermeté. Et plus grand oubli qui est capable d'arriver à l'insan, c'est ça, je m'en l'ai oublié son créateur. Oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, plus grand oubli qui est un capable d'arriver de la vie. Plus grand oubli qui est capable d'arriver de la vie. L'oublié, c'est lui qui fait créer Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah avait dit dans le surah Al-Hashr, ayat numéro 19, « Wa la takounu kalladhina nasullah » Parmi nous, comme un ban qui fait oublier Allah. Parce qu'on dit comme nous, de façon qui les musulmans veulent vivre, combien là-dedans qui ont commencé Allah subhanahu wa ta'ala. Combien qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Ban masjid qui est un plus grand témoin. Combien de monde qui est dans les namaz, l'imagine Allah, les vins fait namaz. Combien de monde? Quand on regarde la population, combien de musulmans il y a? Alors, combien de monde, l'imagine Allah subhanahu wa ta'ala. Les connaît, la fin arrive là pour le poser au fond devant Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il arrive là pour le postérer devant celui qui fait très moi. Combien ça, dit monde là, l'imagine? Là, il y a namaz, vous a postérer devant Allah. Mais comme ça même, combien de monde qui l'oublie, la plupart du monde l'oublie. Il y en a pas les autres qui passent, il y en a pas les autres qui sont, qui sont priorité. Alors ça dit que là, il fait oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, alors, « Wala takunu kalladhina nasullah fa'ansahum anfusahum » Ça va dire que là, Allah subhanahu wa ta'ala fait faire oublier ce même. Oublier Allah, en retour Allah fait faire oublier ce même. Et une autre façon, comment dit-on, l'oublier, c'est l'oublier mal faveur que Allah subhanahu wa ta'ala fait faire au lit, l'évin ingrat. Parce que si un dit-on, il n'est pas oublié mal faveur que Allah fait faire au lit, ça dit-on là, il faut trouver une servitude reconnaissante. Ça dit-on là, il faut vivre de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça dit-on là, il n'est pas faire quelque chose que Allah fait défendre. Il faut content pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un dimon n'est pas content à dire Allah, quelque chose qu'Allah vient défendre, sans même le bouffer, ça dit mon là, quand il montre son ingratitude, c'est ainsi qu'il est oublié ma faveur qu'Allah vient faire le nom. Et la dernière fois, nous y apprenons concernant ma faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient faire le nom, qu'il est bien nombreux. Comme Allah même dit, wa inta'uddu ni'matallah ila tuhsuha. C'est un dimon qui compte Allah sur faveur, là tuhsuha. Jamais ne vous capable contre Allah sur faveur, c'est un sur faveur, il est nombreux. Une autre qualité négative de l'insane, c'est nous accepter une mauvaise inspiration. Ça va une mauvaise inspiration là, principalement les vins depuis qui sont là. Qui sont là qui inspire du monde? Tout va une mauvaise action qui est du monde les fait. Qui sont là qui inspire lui? Qui sont là qui inspire du monde pour les commettre une désobéissance? C'est Shaitan. Shaitan ou l'ennemi que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaît. Nous connaît l'ennemi qui de Shaitan, comment il fait venir l'ennemi pour l'insan? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait donner l'eau pour prosterner devant Adam alayhi salam, il fait refuser. Il fait considérer meilleur qu'Adam alayhi salam, il refuser. Alors, depuis ça, l'ennemi fait commencer avec sa créature qui appelle l'insan. La cause, c'est qu'il n'est pas content que le monde fait une bonne action. Il n'est pas content de trouver du monde des proches dans le paradis. Il n'est pas content de trouver du monde de vivre de l'obéissance à Allah. Il faut faire tout pour les amener du monde ensemble avec lui dans l'enfer. Comme Allah dit, « Innama yadmu hizbahu li yakunu min ashabi sa'ir » Certainement, Shaitan lui invite son partisan pour venir un compagnon l'enfer ensemble avec lui. Lui connaît les Shaitan, l'infini pour se compte, se place dans l'enfer jour Qiyama. La conseil qu'il fait, demande Allah subhanahu wa ta'ala un délai pour les vivre jusqu'à jour Qiyama qui fait pour les capables égaux maximum du monde. Les capables amènent plus beaucoup de monde ensemble avec lui dans l'enfer. Et un parmi ma façon, un parmi ma trick qui les servit pour les embêter du monde,
pour les capables de gagner ce bandit monde-là ensemble avec lui dans l'enfer, c'est à travers l'inspiration. Bah, une bonne inspiration, les montres du monde, les donne du monde l'idée, comment vous désobéissez à Allah, comment vous commettez tel péché. Donc, le péché qui vient du monde de commettre, il vient à travers la mauvaise inspiration des shaitans. À cause même qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient de nous l'ordre du Coran pour cette protection contre shaitan. Cette protection contre shaitan, min sharr al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudur al-nas. Shaitan, c'est lui qui fait waswasa avec le djinn. Min al-jinnati wal-nas. Parmi le djinn, et Mandimoun. D'ailleurs, nous venons avec Mandimoun comment il inspire nous de la mauvaise façon. Et c'est une petite chose que Allah subhanahu wa ta'ala fait l'aide de l'Imsan. Sa mauvaise inspiration là, c'est une petite chose que Allah subhanahu wa ta'ala fait l'aide de l'Imsan. Mais bien du tout, il n'y a pas de moment de nous laver que le shaitan pour inspirer nous. Pour il n'y a pas de moment de nous laver que le shaitan pour inspirer nous. Pour désobéir à Allah pour commettre le péché. C'est à nous pour, à décider est-ce qu'il nous faut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala ou soit nous faut obéir à Shaitan. Shaitan lui inspire un démon, lui montre un démon comment vous commettez telle désobéissance, comment vous commettez tel péché. Donc nous disons qu'on est que Shaitan peut inspirer moi de la mauvaise façon, est-ce qu'il nous faut écouter Shaitan ou soit nous faut écouter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dire. Et pour nous capables de protéger nous-mêmes contre sa mauvaise inspiration satanique-là, nous nous pensons Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith qui trouve dans Bukhari. Shaitan lui attaché à l'équerre des enfants Adam. Shaitan lui attaché à l'équerre des enfants Adam. Mais quand il pense à Allah, Shaitan lui retire son mauvaise inspiration. Sa mauvaise inspiration que Shaitan lui met dans ce monde-là, quand ça dit qu'on a les pensées d'Allah subhanahu wa ta'ala, Shaitan lui tire sa mauvaise inspiration là. Mais dire Shaitan n'est pas capable d'égaler ça dit qu'on a. Quand on pense d'Allah subhanahu wa ta'ala. A cause même qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wala dhikrullahi akbar » Pense Allah subhanahu wa ta'ala, la pensée d'Allah, dhikrullah, ça m'implique dans quelque chose qui est là. Nous pas réaliser sur l'importance. Nous pas réaliser sur l'importance de la vie. Nous nous trouvons quelques phrases qui sont simples. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nous trouvons une phrase simple, mais nous ne pouvons pas qu'on se valide sur l'importance. Comment ça va nous dire que là, il est capable d'une protection pour nous contre une mauvaise inspiration satanique. Et quand il oublie, quand ça dit que là, il oublie, pense Allah subhanahu wa ta'ala, Shaitan lui fera soit ça. Et là même que Shaitan lui inspire nous pour nous faire une mauvaise action. Et qui va dire que Shaitan reste embêté? Qui m'a dit que Shaitan reste inspiré à eux, reste faire waswasa avec eux, reste faire ce mandi monde là comme une désobéissance, c'est mandi monde qui peine à dire Allah dans la vie. Mandi monde qui pas pense Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mandi monde là le plus vulnérable à l'attaque Shaitan. La cause qui nous réduit au colis important pour chacun parmi nous, pour nous pense Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie. Nous pense Allah chaque instant, chaque moment, chaque seconde dans la vie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous l'ordre, alladhina yadhkuruna Allah qiyama. Man qui pense à Allah débouté, astisé, allongé. Donc pense Allah subhanahu wa ta'ala peine une position spécifique. Pense à Allah fait avec Allah peine une place spécifique. Pas misère, faut nécessairement vous donner un amas. Faut donner un amas dit de la mot pense à Allah. Non. Un dimon, l'île au chemin, l'île sur le tour, l'île au motocyclette. Ça dit mon là, l'idée sur la case, de ce travail, n'importe où tu étais, les pense Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous pensons Allah, alors ce que nous trouvons sera de l'effet. Comment ça pourrait être nous dans la vie? Nous les guerres pourraient être tranquillité, alors Shaitan n'est pas vous capable de faire waswasa avec nous, n'est pas vous capable d'inspirer nous pour désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa mauvaise inspiration là, ça même qui fait faire mauvaise inspiration satanique, mauvaise inspiration de Shaitan, ça même qui fait faire Adam et son madame Hawa alayhi as-salam désobéir à Allah. Ça même mauvaise inspiration qui fait faire Adam alayhi salam, premier insan qui Allah fait créer. Là, Iblis, les fait prendre son vengeance contre Adam alayhi salam. Parce que pour lui, c'est la cause d'Adam alayhi salam qui Allah fait expulser depuis le paradis. Et donc, il fait inspirer à Adam et son madame
ou désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître sur Al-A'raf, ayat numéro 20. Fawaswasa lahum ash-shaytan. Shaytan fait faire waswasa à tous les deux. Liyubdiya lahuma ma wuriyahuma min sawatihima. Pour découvrir ce qui est découvert des autres parties privées. Mais Dieu s'est dit là, Adam alayhi salam et son madame Hawa alayhi salam, quand on tire le paradis de parties privées, c'est couvert. Mais du moment que Shaytan fin attaque Zot, du moment que Shaytan fin inspire Zot pour approcher avec sa pied là, et comme Allah fin approche avec sa pied, qui Allah fin défend Zot là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors Zot partie privée fin découvert. Zot partie privée fin découvert. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître, alors elle fin dit, je ne rab pas fin empêche Zot. L'Iblis, il dit avec Mamla. Get comment les fin tente Adam alayhi salam et Hawa. Get de quelle façon les fin inspire Mamla. Get de quelle façon les fin fait Mamla désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Get qu'il dit à Mamla. Je ne rab pas fin empêche Zot pour approcher sa pied là, excepté que Zot pouvait man ange. Illa en tekouna malakein ou tekouna min al khalidi. Excepté que Zot pouvait man ange. Ou soit, Zot pouvait parmi ban qui pouvait éternellement. Et quand Allah fin tant ça, quand ça dit là fin tant ça, ça fin pour Zot pour approcher avec sa pied là. Quand Iblis fin faire Zot croire que sa pied qui Allah fin défend Zot pour approcher là, c'est un pied qui quand Zot pouvait coster avec sa pied là, Zot pouvait ban ange. Ou soit quand Zot coster avec sa pied là, Zot pouvait éternellement. Alors, Adam alayhi salam, dans ce moment-là, il fait laisse lui-même gagne embêté par Iblis, et Iblis, il fait rester sa mauvaise inspiration, il fait rester inspiré maintenant pour désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa waswasa-là, sa mauvaise inspiration-là, il n'est pas limité juste à Shaytan. Mais aussi, il n'a pas parmi nous, ben insan, comme Allah dit, min al-jinnati wal nas. Ban qui fait waswasa à Jimon, il y a un djinn, ou un nas, il y a aussi un djinn. Ban djinn qui fait waswasa pour faire nous commettre un péché. Par exemple, nous, un camarade. Ban mauvais camarade qui nous est là. Il inspire nous, il montre nous quoi vous désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Il inspire nous, il incite nous pour aller ensemble avec les cinémas, pour aller ensemble avec les casinos, pour aller ensemble avec les discothèques. Donc, sa bande de camarades là, un mauvais camarade, Zot inspire les autres pour désobéir Allah subhanahu wa ta'ala pour commettre un péché. Donc, il ne faut pas nous penser que ma mauvaise inspiration existe depuis Shaytan. Non. Peut-être, ma dîmonde qui est alentour de nous. Sa bande dîmonde là aussi, pareil, Zot capable de venir une bande qui peut inspirer nous de ma mauvaise façon. Peut inspirer nous, peut donner nous l'idée. Comment vous désobéir Allah subhanahu wa ta'ala? Comment vous commettre un péché? Comment pourrait Allah se colère? Comment pourrait Allah se punition? Et l'autre qualité négative de l'insan, c'est l'arrogance. L'arrogance, c'est une de mes plus mauvaises caractéristiques qu'un insan est capable de posséder. L'arrogance, c'est une de mes plus mauvaises caractéristiques qu'un insan est capable de posséder. Qui fait? Parce que Iblis, il possède sa caractère-là. Iblis, il possède sa caractère-là. Quelque chose qui fait empêche Iblis pour le prosterner devant Adam alayhi salam. Comme Allah dit Abba, wastakbar. Les fils refusés, wastakbar, les fils montrent les arrogants. Qui les dit? Ana khayrun minhu. Moi, mon meilleur qui les. خلقتني من نار وخلقته من طين. Tu me crées moi avec Jifé et tu me crées lui avec la terre. Pour l'Iblis, de se penser, Jifé plus meilleur, plus bon qu'il a terre. Donc, les films montrent lui arrogant. Les films considèrent lui supérieur que sa nouvelle race qui Allah fait créer là, qui appelle l'insan, ça même qui fait amen sur la terre, fait amen qui Allah fait expulser lui depuis le paradis. Qui veut dire l'arrogance? L'arrogance veut dire rejette la vérité et considère les autres inférieurs.
rejette la vérité et considère les autres comme inférieurs. Veut dire, un démon, les considère les plus supérieurs que les autres. Les autres inférieurs, ça va de là. Quand est-ce que sa qualité-là les rentre dans une salle, plus beaucoup fort, beaucoup trouver, c'est un démon qui est dans la raison. C'est un démon qui possédait. Un démon qui, Allah, vient faire faveur aux autres, Allah, vient donner aux autres la richesse. D'accord, ça, il n'a pas un démon divisé par beaucoup de précautions. Quand Allah vient donner les raisons, Allah vient donner le pouvoir, Allah vient donner l'honneur, Allah vient donner une position bien haute de la société, les misères prennent beaucoup de précautions pour qu'il n'y pas gagné son mauvais caractère qui appelle l'arrogance. Parce que souvent, des fois, un démon, quand il possède, quand il y en a un statut, il y en a l'honneur de la société, il y en a une grande place de travail, il y en a l'argent, les considérer les supérieurs à les autres. Les bouvilles avec certains démons, les boucaux avec certains démons, et alors certains des autres démons, ban qui plie, ban qui lit, ban qui pauvre, ban qui ne travaille plus, inférieur qui lit, il va vous causer, il va vous joindre, il va vous faire camarade. Il y a certains démons comme ça. Et l'arrogance qui prive un démon du paradis. Comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fait dire dans le hadith, qui trouve un musulman. C'est lui qui a un atome. Nous connaissons un atome qui est qualité de type. C'est lui qui a un atome, l'arrogance de sur les pieds, ça dit monde-là, il n'est pas pour moi de paradis. Quel qui qualité est grave, ça qui est chose. Quel qui qualité est grave pour un démon qui possède sa mauvais caractère qui appelle l'arrogance. Un atome, l'arrogance, ça dit monde-là, il est de sur les pieds, il n'est pas pour moi de paradis. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui laisse sur les traîner ou la terre par l'arrogance. Et dans le monde, les commandants, ils mettent l'aise, traîner. Les commandants sont pas dans traîner dans la terre, qui fait pas l'arrogance. Pour les autres, du monde, guetter. Pour montrer qu'il est supérieur à les autres. Ça, du monde-là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah pas pour guetter les jours qu'il sa qualité du monde-là, Allah subhanahu wa ta'ala pas pour guetter les jours qu'il donc, qui fait un démon, il vous a montré l'arrogant. Qui fait nous dire, montrez-nous arrogant, comme vous connaissez ce caractère-là, ce même caractère qui fait amène à destruction Iblis. Ce même caractère qui fait faire Iblis, vient être habité à l'enfer éternellement. Donc, il ne fallait pas qu'un démon possède sa qualité-là. Et si il y a une allée, il faut faire ses efforts pour lui tirer sa qualité-là dans le plus vite possible. Une autre qualité négative de l'insan, c'est faire des efforts pour qu'il existe du lien. Combien de monde dans la terre nous trouvait de cause musulman? Combien de musulmans nous trouvait dans la terre qui peut vivre juste pour du lien? Qui peut vivre juste pour du lien? Pour lui, ça du lien là, ça même toute chose pour lui. N'oubliez qu'il y a une autre la vie qui appelle l'Afrique. Car il y a l'Afrique, ça va guetter qui va arriver. Comme un musulman, il a sa mentalité là. Et rien dans ma tête en tout pour gagner du nia. Comme un sacrifice peut faire pour gagner du nia, pour gagner plaisir du nia. Mais un musulman, sa priorité, c'est Akhira et non pas du nia. Mais, pas me dire qu'un démon, il pense à Akhira dans ma tête en tout. Il pas travaille, il reste dans ma zine, il pense à Akhira. Non. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire voilà, attends, ça n'a pas suivi comme il est du nia. Pas oublier de parler de la dunya. Si nous devons vivre dans cette dunya là, nous disons nous parler de cette dunya là, disons travail, disons les madames sont droits, les enfants sont droits. Mais seulement, ça dit mon là, il ne faudrait pas l'oublier qui sont priorités qui est. Comme Allah dit, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. On va faire que les djinns et les démons acceptent pour qu'ils soient adorés. Parce qu'il y a un musulman, il disait qu'on comprend que vrai la vie, c'est la vie de l'akhirat. والآخرت خير وأبقى آخرت لمياه اللي جاب لي لمدام لمزاج كومبران كي ما بيفيد لو سالينا لا بكرة قدام بس كنا زمان اللي بنسى كي اللي بيفيد لو سالاتي لا اتيان الما اللي بيفيد لو سالاتي لا بكرة قدام سلما et nous connais bien comment le temps passe bien vite nous connais bien comment le temps passe bien vite et sinon nous trouver finalement nous quitte sa là nous allons et quand nous guettons, qui prépare la chose que nous faisons pour sa vie éternelle là, nous ne faisons aucune préparation. Tandis qu'Allah fait nous connaître. Et il y a la prière pour Allah,
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. Que chaque nafs guette qu'il est envoyé pour demain, pour la vie de l'akhirat. Donc déjà, il y a une balance entre les deux. Et dis-moi, les misères qu'on est, comment les pour balance sur la vie dunya et aussi sur la vie akhirat. Il ne faut pas qu'il s'agit de là, les guettes existent dunya et les brillent akhirat. Ou soit les guettes existent akhirat, les brillent dunya. Non. Faut pas, un démon, soit il est à l'extrême là, ou soit il est à l'autre extrême, il y a une balance entre sa vie et la vie. Donc, beaucoup de démons de nos jours vont nous dire à un musulman, oublier la vie akhirat, et je laisse même gagner embêté pour avoir une jouissance, une tentation qui est là dans sa vie. Parce que ma jouissance est bien beaucoup. Une tentation qui est là dans sa vie, elle est bien beaucoup. Facile un démon de dévier. Facile un démon de oublier. L'oublier Allah subhanahu wa ta'ala, l'oublier sur l'amour, l'oublier akhirat. Comme parmi nous, si dans l'esprit avec dunya, nous ne pas réaliser qu'un jour mon amour. Nous ne pas réaliser qu'il y a un fini mot, il y a notre vie qui va venir, la vie akhirat. Et vous dites Allah subhanahu wa ta'ala, fin aviatino, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Pas les autres mêmes qui sont embêtés par la vie dunya. Allah fini aviatino dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait créer sa dunya là, c'est lui qui fait mettre sa réjouissance là, non sa dunya là, Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est pas les abiatinous. Il fait créer la dunya, il fait mettre ma réjouissance, ma tentation, mais c'est non Allah fait abiatinous, par les nous-mêmes qui est embêté pour la vie dunya. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. La vie dunya, c'est juste une jouissance trompeuse. La vie que nous pouvons vivre dans la vie là, ben jouissance qui est là, ben jouissance qui embête ben du monde, qui trompe ben du monde, qui fait du monde briller Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait du monde pour dire briller sur l'amour, qui fait du monde briller la vie réelle, la vie de l'akhirat. Une autre qualité négative de l'insan, c'est que comme Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître que l'insan est dans la perdition. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait fiercement. Allah fait fiercement par les temps. Voilà l'asr. Inna l'insan la fait khusr. Allah fait nous connaître l'insan de la perdition. Ça reste qu'après l'insan là, il est de la perdition. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala le fait manger une exception. Qui va une qualité insan qui parle de la perdition? Illa l'adhina amanu. Excepté man qui fait amen iman. Ban qui fait croire de Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, sa bonne qualité du monde là, vous n'êtes pas dans la perdition. Déjà, ban du monde qui fait une bonne action, sa bonne du monde là, vous n'êtes pas dans la perdition. Troisième, wadawa sans bil haq, vous êtes recommandé à l'autre la vérité, wadawa sans bil sab, vous êtes recommandé à l'autre la patience. Donc, un du monde, les diadismes, pour croire de Allah, il n'y pas suffit. Pour les capables, les simples, les mêmes de sa perdition-là, les diadistes, pour croire en Allah, il pas suffit. Nous vous disons, prouve nos imams. Quand nous prouvons nos imams, quand nous prouvons nos croyances en Allah, c'est à travers une bonne action. Faire une bonne action, ça même pas une bonne action qui vous prouve, qui vous met une preuve, qui nous croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, un musulman, les ordonne le bien, les empêche le mal. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Kuntum khayra ummati ukhrijat linnas. Nous, ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous meilleurs ummat qui Allah fait tirer depuis l'insan. Qui fait nous meilleurs? Ta'muruna bil ma'aruf wa tanahawna 'anil munkar. Parce que nous, un race, nous, un ummat qui nous ordonne le bien et nous empêche le mal. Parce qu'après, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun prophète qui vous venait. Il n'y a aucun prophète qui vous venait jusqu'à ce jour qu'il sa responsabilité pour ordonner le bien empêche le mal là, il est chacun parmi nous. Et ensuite, prends patience dans la difficulté qui vous venait. Qui fait Allah, les dire recommande, après qu'il finit dire, recommande un à l'autre la vérité, et ensuite Allah dit recommande un à l'autre la patience. Parce que quand on ordonne le bien, quand on empêche le mal, partout du monde qui vous content. Partout du monde qui vous content. Et là, du monde qui va couler. Et là, du monde qui va accepter. La grosse qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous l'autre, alors prends patience sur ma difficulté qui vous gagne. C'est à ce moment-là que ça insane là, non, il y a même l'iman, il fait une bonne action, il recommande un à l'autre la vérité, il recommande un à l'autre le bien, il empêche le mal, et il prend patience.
Alors, ça dit que là, il n'est pas pour dans la perdition. Et quand on regarde par le conseil que Luqman, alayhi salam, tu donnes à son garçon, il dit, il y a mon œil, il y a aqim al-salat. Oh mon garçon, établis la salat. Wa'mur bil ma'ruf. Ordonne le bien. Wanha 'anil munkar. Empêche le mal. Wasbir 'ala ma asabak. Et prends patience, l'heureux c'est qui pour arriver toi. Luqman, alayhi salam, moi, il m'a le conseil qu'il tu donnes à son garçon, ordonne le bien, empêche le mal, et après qu'il est allé, wasbir 'ala ma asabak. Prends patience, toi, c'est qui pour arriver toi. Quand tu peux ordonner le bien, tu peux empêcher le mal, comme on dit, il n'y a du monde pas beaucoup de temps. Il y a du monde pour voler avec toi. Il y a du monde pour relaguer avec toi. Mais toi, tu peux dire, prends patience, parce que ça va être le moment. Et Imam Shafi'i, rahmahullah, lui dit, c'est juste sa sourate là qui est révélée, sourate Al-Asr. Juste sa sourate là qui est révélée, mais tu peux suffire pour tout le monde. C'est la seule sourate Allah qui est révélée, sa sourate là. Surah Al-Asr, les types suffisent pour tout le monde, c'est une surah qui l'englobe. L'englobe, ça reste qu'appelle l'insan là. Alors, nous l'objectif, nous salatia là, croire Allah subhanahu wa ta'ala, faire une bonne action, ordonne le bien, empêche le mal, et ensuite nous prenons pas chance sur ce qui peut arriver nous, quand nous pouvons ordonner le bien et nous empêche le mal. Et finalement, sa bonne qualité qui nous fait mentionner là, sa bonne qualité qui nous fait manger, la bonne qualité négative de l'insan, comment est-ce qu'il est capable d'éviter sa bonne qualité-là? C'est suivre façon faire de mon croyant. Comment est-ce qu'il est capable d'éviter sa bonne mauvaise qualité-là? C'est de suivre façon faire de mon croyant. Mon premier croyant sur tout ça, trois premières générations qui viennent vivre dans la terre, la meilleure génération. Trois premières générations qui viennent vivre pendant sa oumette-là. Comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Premier de là, mon premier croyant, mon muhajir, rin et mon ansar, c'est-à-dire mon sahaba. Ensuite nous venons après mon là, mon tabi'in, et ensuite nous venons mon tabi'in, sa troisième génération de sa oumat là, nous suivre cette façon de faire. Suivre façon de faire de mon croyant, ça pour être nous, pour nous tirer sa mauvaise qualité là, c'est l'inali dans nous. Et pour un dimanche, il est capable de suivre le chemin du mal croyant. Pour le capable de suivre le chemin du mal croyant, les visages à dimanche-là, ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala avant. Connaissent Allah sur la qualité. Quelque chose qui fait faire sa trois générations-là, qui est une meilleure génération de sa oumette-là, ça va dire que tu connais Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu connais Allah, non seulement je connais Allah, je connais Allah sur mon attribut, je connais Allah sur mon nom. Aujourd'hui, combien parmi nous nous intéressons pour connaître Allah? Combien parmi nous nous intéressons pour nous augmenter nos connaissances concernant Allah? Qui cause tes connaissances? Nous ayons connaissances académiques. Mais connaissances concernant Allah, combien parmi nous nous connaissons Allah? Surtout Allah sur notre nom, Allah sur notre soifat, combien parmi nous nous connaissons bien vite? Parce que si vraiment tu connais Allah, comment bizarre nous allons passer pour nous ça aujourd'hui? Nous partons pour tous les deux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons l'amour pour Allah. Nous avons la frayeur pour Allah. Si aujourd'hui nous trouvons une sainte, nous trouvons musulmans, peine à la frayeur pour Allah, peine à l'amour pour Allah, elle prend une raison de pas contre Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous guettons ce mandimoun là, c'est des mandimouns qui font contre Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons partis contre Allah avant, nous guettons surtout mon sahaba, ban qui vient accepter l'islam. Nous guettons Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu connais Allah subhanahu wa ta'ala comme c'est lui qui a créé l'échelle. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé la terre. Mais tu vois, c'est un yaqin qui vise là, qui Allah subhanahu wa ta'ala tout seul qui vise à adorer. Et comme Allah qui connaît Allah, comment vise ça fait faire de vivre le meilleur dimanche de sa oumette là. Deuxième, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a l'amour pour lui, obéir sur un autre et évite ce qu'il est fait défendre. Ça va dire que nous avons connu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons connu nous avons l'amour pour lui. Nous avons un sahaba qui considère que nous avons le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes prêts pour sacrifier notre vie pour sa rassoula. Nous sommes prêts pour faire n'importe quelle chose pour lui. Nous sommes obéir sur un autre. Le prophète finit de faire telle quelque chose, nous sommes faire. Quand le prophète finit de ne pas faire telle quelque chose, nous sommes faire. Par exemple, un arabe nous connaît. C'est des mandimons qui sont contents pour la boisson alcoolique. Quand Ayat Coran finit révéler,
qu'il abroche ou alcoolique haram, ça m'a dit mon là de fin obéir Allah subhanahu wa ta'ala selon lui. Je n'obéis pas à parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le haram est askara fa wa haram. Tout la boisson qui fait un dimon soulé, qui fait un dimon perdu sur le raisonnement des haram, ça m'a dit ce haram là, je ne comprends sa ayat là. Je ne comprends sa parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam là. Donc je n'accepte quelque chose de si content, je n'accepte et vite sa petite chose là. Alors à cause du prophète, fin, ordonne-nous pour rester avec lui. Imam Malik, rahimahullah, dit dire, sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il paraît que ma bateau nous, alayhi salam. C'est lui qui fait une rente de bateau là, il pourrait ici. Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il paraît que ma bateau nous, alayhi salam. Quand il fait une rente de bateau de l'époque nous, alayhi salam, qui s'en a fait une récit, ça fait compte, ça l'applique et Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer, ça inondation qui fait venir là. Quand il fait une croix de nous, alayhi salam, fait une rente de bateau. Comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sunnah, alors Imam Malik lui comparé à Batou Nuh alayhi salam. C'est lui qui fait une rente de bateau, il pourrait ici. C'est lui qui fait le sunnat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pourrait ici de cela. C'est lui qui abstenir. C'est lui qui part contre suivre le prophète. Comme aujourd'hui, il y en a un sec qui a tout le Coran yon. Quand il croise le Coran, quand il ne croit pas aucun hadith, pas croit le sunnat du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa bonne qualité du monde là, être sûr et certain, sa bonne du monde là, c'est bonne qui vous noyer, bonne qui vous fait défaite, bonne qui pas pour réussir dans le lien et de l'affaire. Troisième, c'est nous cherche la connaissance. Cherche la connaissance. Parce que c'est à travers la connaissance qu'il ne vous capable qu'on Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à travers la connaissance qu'il ne vous capable qu'on le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et n'a pas l'amour pour lui. Faire ce qu'il vient ordonner et éviter ce qu'il vient défendre, juste à travers la connaissance. Donc nous disons faire des efforts pour acquérir la connaissance, surtout une cause de la connaissance islamique. Faire des efforts et alors dire qu'il y a tout le monde facilité, tout le monde moyen, quand nous connaissons la causerie, alors parce que nous lire, concernant l'islam, nous lire, nous augmente nos connaissances. Et finalement, il y a l'amour pour Mandimoun qui est le chemin droit. Il y a l'amour pour ce Mandimoun-là. Ça va sahaba, man tabi'in, ou ça même man qui vient vivre après, man qui vient vivre le chemin droit, man qui vient dans l'amour pour Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors tu prends ça man dimoun là comme un exemple, nous dans l'amour pour ça man dimoun là, Inch'Allah, ça man moyen là pour aider nous. Amen.